Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind en multi avec Slan. Salut Slan. Coucou, comment ça va? Eh ben écoute, pas trop mal et toi? Ça va bien aussi. Hey, j'ai appris qu'on pouvait piller les villes pour les détruire quand on en a trop. Oui, ça fait plaisir ça. De l'apprendre maintenant. On peut piller sa propre ville. Et ouais. Du coup, bah ça transforme la ville en. Ça retransforme la ville en avant-poste. Bah voilà. Ce qui est quand même assez particulier, faut le dire. J'essaierai bientôt. Parce que pourquoi pas. Alors je suis revenu un tout petit peu en arrière, visiblement. Ouais, toi, il me semblait que tu venais de passer ton air, un truc du genre. Hein. Bah en fait, voilà, je devais choisir mon truc, je vais le refaire. Et malgré ce que tu m'as dit entre deux épisodes, que toi, tu aurais bien choisi volontiers les Perses pour avoir plus de villes, et ben je les reprends. Non, mais tu bluffes. C'est pas malgré. C'est pas malgré, c'est surtout, tu veux dire. C'est grâce au fait que tu lui aies dit « Ah, oh, c'est dommage, t'as pris le train juste avant moi, j'ai bien aimé l'avoir. » C'est exactement je parce que... Je reprends, du coup, les Perses. Parce que... pourquoi pas. J'ai cliqué au pif. Deux misclics de suite, voilà. Alors... Eh ben écoutez... Ok, j'étais en train d'attendre, je crois... Ouais, c'est ça, je gardais de l'influence pour pouvoir... poser une ville, il me semble, justement. Alors là, on a du 26, et là, on a du 22, c'est mieux. Je vais chercher ça. Et on va aller par là. Ah, il y a une tanière ici, j'avais oublié. Merde, bon, bah, tant pis. On la pillera une autre fois. Bon, là, il n'y a plus le bonus que... Si, il y a encore. Ouais, on va choper ça, c'est la dernière zone chopable du coin. Et après, on s'occupera de d'agrandir nos territoires. Ça me coûte combien? Parfait. 180, ok. Donc moi, j'ai pas encore ma dernière étoile, et j'ai toujours pas de politique. C'est quand même la classe. J'en ai vendu, visiblement. Les tréfonds les plus sombres. Ah, je me souviens que j'avais eu ce truc, j'avais envoyé les... J'avais envoyé les soldats, ils avaient rien trouvé, les mineurs s'étaient foutus de leur gueule. Du coup, tu vas revenir, tu vas faire autre chose. Je l'ai fait bosser. Moins 15 il y a de des achi... oh bah, oui. Il y a des achievements Steam qui consistent à avoir 18 étoiles dans la même catégorie. Ça veut dire qu'à chaque ère, tu fais toutes les étoiles. 18 étoiles dans la même catégorie. Ouais. Ah oui, parce que ça remet à zéro à chaque fois. Bah oui, forcément. Et donc, ça veut dire qu'il faut jamais prendre de civ tant que t'as pas fini toutes tes étoiles dans ce domaine-là, à moins de vouloir faire tous les achievements en même temps, ce dont je doute. Bah, mais c'est assez quoi, violent. C'est quoi cette arnaque là? Tous mes trucs à débloquer me donnent zéro de gloire. Laisse passer le premier tour. Ah oui, il faut qu'il recalcule. Ouais, c'est pareil, on n'était pas synchronisé. Ouais, ok, il fallait un premier tour, très bien. Ah putain, le septième a débloqué deux étoiles d'un coup, sérieux? Oh, ça pique les fesses. Moi qui étais en train de me dire, je vais attendre un peu qu'il rattrape pour débloquer et prendre et choisir ma culture. Le mec il débloque deux étoiles en un tour quoi. Bah des fois c'est un bon gros combat suffit. C'est pas vrai, il a disparu juste devant moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un petit peu blasitude. Alors tu veux me dire un truc toi? Babylonien vous souhaite la bienvenue. Tu rentrais chez moi et tu m'as attaqué, gars. Tu dois payer 1800. Je suis d'accord, ils sont assez désagréables. Hein. Le mec, il est rentré chez moi et il m'a attaqué. Alors là, on est à... Je veux dire quand même. Bah ouais, c'est pareil, là. Il commence à me convertir des trucs alors que je suis même pas collé à lui, quoi. C'est moche. C'est un peu se foutre de ma gueule, quand même.
clairement. Non, mais on va aller bouffer ça, et après on va aller bouffer ça surtout. De toute façon, là, je peux plus m'étendre, moi c'est fini, il n'y a plus rien à faire. La suite, ce sera la guerre. La guerre, c'est dur. Les gens meurent pendant la guerre. Oui, mais à un moment, faut savoir prendre des décisions fortes. Savoir tuer des gens. On va aller Tuer piller des gens cette pour gagner tanière. plus. Ouais, et du coup, bah, il va falloir que je débloque cette foutue étoile, ouais, parce que je pensais rester un peu à l'air pour essayer éventuellement de débloquer une autre étoile et gagner plus de gloire, mais ça va être un peu compromis. Quoi? J'ai perdu de la pop? Putain, mais sérieux, quoi. J'avais tout bien mis comme il fallait. Eh bah tant pis, c'est bon. Ah oui, puis alors du coup, si je change d'air... Est-ce que tu sais si les bâtiments qui sont dans la liste de construction disparaissent? Les bâtiments uniques, j'entends. Non, ils disparaissent pas. Si tu as lancé la construction, tu peux les garder là et... Ouais. D'accord. C'est bon à savoir. Donc je vais les poser partout où je peux. Là je peux pas en mettre d'autres. Ça c'est pas de la montagne ça. Hein. Ça va lui coûter cher tout ça. Ça va lui coûter méga cher, même en fait en vrai. Et ici il n'y en a pas d'autres à construire, ok. Donc j'en ai Bien, plus plus de qu'un crayons seul à noirs. faire là, ça va, c'est pas trop Clair. grave. Il me faut Hop. ça, il me faut ça. Là, il faut 129 alors qu'il reste. 2 d'industrie, 129 pour 2 d'industrie quoi. Oh! Ça pique. Oui, non, mais les prix, c'est n'importe quoi. Bah du coup, ouais, là ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. Alors, ici, on a quoi? Memphis. On va laisser terminer ça. Ensuite, on va construire ce truc là. Vous allez piller ça, ça fera toujours 22 balles. Et puis il n'y aura plus d'ours comme ça. Alors ici. Il a pas encore choisi sa culture, le petit con. Il joue la montre. Je l'exploite le cuivre, ouais, je l'exploite le cuivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les derniers de leur lignée. De nombreux serviteurs du palais de la ville ont été castrés à la demande du gouverneur. Quoi? Dommage. Alors, on peut accepter. On peut punir. Ou on peut adopter. Moins 2 d'industrie. Mais non, non, c'est bon les conneries, hein. Ça va bien, oui. Oh, eh, hein? On va se détendre 2 secondes. Hein. Alors, si c'est converti, si c'est converti, ici ça se Ah, j'ai déjà fait convertit. les murs. Bah, c'est pas moi qui ai dû les faire. C'est l'IA. Gentille IA. Ouais, les Babyloniens, ils sont un peu chiants. Va falloir qu'on s'y attaque, je pense. Bah oui, je sais, c'est pas grave ça. Rivière. Qu'est-ce qui se passe? Les Hittites veulent partager les cartes. Bah voyons. Bah écoute, c'est eux, j'ai un pacte de non-agression, des frontières ouvertes, on échange tout. Je peux partager les cartes. Ça reste louche. Clairement. Je dirais même plus très louche. Bah écoute, ça me permet de voir du coup que il y a vraiment plus rien sur notre bout de continent à choper. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ils ont fait ça pour te déprimer. C'est ça. C'était une technique de déprime, j'entends bien.
Non, mais on va C'est bizarre. s'allier, puis on va aller Ouais. taper sur les Babyloniens, là. Ça leur Eh apprendra. ben voyons, carrément, toi, en mode de empire, tu t'allies avec des gens. Bah écoute, C'est moi je honteux. m'allie avec ceux qui sont assez bêtes pour s'allier avec moi, tu t'en souviendras. Au moment où tu m'enverras ta proposition. Exactement. Toi, tu peux pas t'attacher pour moins cher. Non, c'est 195, hein. Putain, ça pique. On va peut-être aller chercher ça. Ce serait combien pour transformer un truc en ville là? 765! Ah ouais! Ils se font plaisir les mecs. Ok, on a débloqué l'étoile d'air. Et l'autre il a choisi, ça y est. Merde, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qui reste? De la science. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah non, il a rien pris. C'est Ah, mais il tout, était hein. à l'ère d'avant? Attends. Quel fuck? Qu'est-ce que tu es devenu, toi? You have my Ah, t'as ear. transcendé, Nothing il a we can't transcendé les discuss. Hittites. Il a un Ben truc qui voilà. fait qu'il garde. Comme ça, il te la met bien profonde au niveau du score. Qu'est-ce qu'il a fait? Ajoute de la force, nanin, penchant, vengeur. Pourtant, il a pas le truc qui fait qu'il... Ah, c'est ça, il est en époque classique, il est toujours hittite. Bah comme quoi. Non mais c'est surtout quand il a vu les choix qui restaient, il a dit c'est que de la merde. Bah, il reste quand même notre top 1. Ça, je crois qu'on l'avait pas mis. Ça non plus. Eux, je me demande si on les avait pas mis, les Moria aussi. Ah les Moria ils sont très très bons. Ouais, c'est eux avec leurs éléphants à arc là. Et il reste les Romains. Il reste les Aksumites, les Moria et les Romains. Il reste trois trucs de notre top 5. Ça va. Après, De on quoi s'est tu peut-être totalement foiré aussi sur le top 5. Hein. Ça, Ou c'est peut-être que possible. l'IA prend des trucs en fonction de sa personnalité et non pas en Ouais. fonction de ce qui est pété et pas pété. Bah, c'est pour ça que j'allais voir si il y avait le. S'ils avaient le truc. Tu sais, ils ont une personnalité qui fait qu'ils peuvent garder la même culture toute la partie là. Ouais. Mais il l'a pas lui. Donc il a décidé de transcender de son plein gré d'IA. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que ça vaut le coup d'essayer de se faire une petite étoile de plus? Ça c'est faisable, la science on a tout fait. Ça c'est pas faisable. L'étoile des stèles, ça serait intéressant, mais je suis pas sûr quand même. Bon, on va surveiller le Babylonien. Le noir de toute façon jamais il arrivera. Parce que de toute façon je sais pas encore trop prendre. Honnêtement, entre les trois justement du top 5, j'hésite. Hein. Franchement, j'hésite vraiment. Ah bah parfait, un guerrier. Tiens. Au moment où je vais passer à une autre ère, le jeu me file un guerrier. Je suis super content. Ça, tu pourras upgrader. Non, c'est toujours. On est d'accord, ça reste intéressant. Mais il faudrait que je commence à attacher des trucs. Je pense que je vais aller attacher par là. Par ici pour aller me Je rapprocher suis de ça. parti à la recherche d'influence, moi. Toi, tu vas aller par ici. On est potes avec eux ou pas encore? On est cordial. Bon. Je suis pas sûr que ça suffit pour être considéré comme pote, mais. Pardon, du coup, j'ai pas mal de trucs à faire. Hein. Et quand on change d'air, on a automatiquement des villes en plus ou il faut vraiment des techs? Ah non, t'as zéro ville en plus quand tu Ouais, changes d'air. on est d'accord, il y a zéro vie en plus. Hein. On est d'accord. Alors, vite fait, Mais toi bon, tu maintenant fais. que tu sais que tu peux annexer un voisin viking et le piller avec ses propres troupes. Bah ouais, c'est exactement l'un des trucs que je me tâtais de faire, ouais. Car la Figure-toi. pénalité pour avoir une ville en trop, c'est moins 10 d'influence par tour. C'est insignifiant. Et An vu que ça me independent coûte people has been added to 23 your empire. You may seem small, but great things can come from small de le beginnings. prendre. T'as largement le temps ensuite, juste après, de le piller avec ses propres troupes. Hein. Bah c'est ça. Hop. Bon par contre c'est neuf le pillage. C'est tout naze. Mais bon.
Ah oui, c'est pas grave. Mais du coup, ça veut dire que je vais peut-être attendre un petit peu lui là pareil, je vais l'annexer et le pied dans la foulée, je pense. Voilà, alors si tu veux, tu peux aussi sortir tes pops. D'abord. Prendre le temps tant que t'es qu'à moins 10, si t'es pas pressé, si t'as pas une deuxième ville en attente, Non, tu non, peux. ils sont. Il en a un, il a deux, il en a deux, et l'autre, il en a une. Pop, Tu peux j'entends. tu peux faire des pops, tu peux sortir tes pops en tant que troupe et puis ensuite aller les mettre dans une autre ville si tu le souhaites. Moi, c'est Ouais. ce que je suis en train de faire en fait. Moi, je fais une troupe, mais sauf que au lieu de sortir les pops pour les C'est mettre dans une vrai autre ville, que. je les sors tout court. C'est vrai que ça peut être intéressant. Je vais sortir deux pops. Vite fait. Ça prend quand même 3 tours à fabriquer. Après, Ça, c'est j'assimilerai efficace. celle-là. Bon, puis je gagne quand même des troupes. C'est pas si mal. Alors. Alors, un homme sale et repoussant, le descendant des rois. On aurait fait des exactions envers ses ancêtres. Moi, je continue à mettre la pression sur le jaune. Prendre Parce le que ces mouvement. armées, c'est des javeliniers à 20 de force et des éclaireurs. Pas très impressionnant. Tout dépend ce que t'as, quoi. Des guerriers à 19. Ouais, ça va. Si t'arrives à les choper au corps à corps, ça va, mais ça peut quand même être assez désagréable sinon. Mais dans cette tour, j'aurai les phalanx et les épéistes. À 28. Bon, ici on perd en pop, hein. Ça serait agréable d'avoir de la pop. Et on va pouvoir attacher dans un tour. Je pense ici, comme ça on ira pour aller chercher ça après. On fera une grande cité là. De toute façon, on va pas poser une ville ici, ça sert à rien. Donc on va aller chercher Aliot. Alors, toi, mon gars, pour l'instant, tu vas attendre. On veut pas aller trop taquiner le Babylonien avec juste un seul archer. Plutôt désagréable, lui. Comment il me parle? Osmos scientifique. Très bien. Par contre. Ouais, non, il est sorti de la zone. Si je l'attaque là. C'est quoi ça? C'est de l'éclaireur à la con. Ok, il recule. Barre-toi de chez moi, tu seras gentil. Les Babyloniens exigent de payer 450. Si je clique sur accepter, on est d'accord que ça accepte pas. D'accord. Il a l'air énervé. Je ne comprends pas. Non, toi t'attends pas, toi. Toi tu bouges les fesses, tu vas là-bas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hop. Ils veulent celui-là aussi que je te le donne. Oh, ouais, t'exagères. Le jaune, il veut que je lui donne tous les territoires que je suis en train de coloniser à ras de chez lui. Bah franchement, qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Au motif que je colonise les territoires à ras de chez lui. Truc de fou. Je trouve que c'est un petit peu osé quand même, de sa part. Bah oui, et puis que soi-disant il peut plus s'étendre, qu'il est bloqué, et que j'ai fait pareil avec le black, et que je suis un salaud. Et il aurait peur que tu le traites comme t'as traité le noir, c'est ça? Alors pas du tout, il me dit que je suis qu'une pauvre merde, qu'un insecte. Ah oui, d'accord, donc en plus il est outrecuidant. En plus, il se croit le plus fort. Ça va demander réparation. Bah pour l'instant, j'ai eu l'occasion de lui demander réparation, j'ai pas vraiment poussé le bouchon trop loin, Maurice. Il a pas été très très motivé, c'est ça que tu veux dire? C'est moi qui ai préféré pas demander les réparations. Ah. J'ai eu peur qu'on refuse. Bon.
J'aimerais autant attendre d'avoir fait mes nouvelles unités avant qu'il me tape sur la fille. Trop tard. C'est la guerre. Ah, il t'attaque direct. Enfin. Ouais. Il s'est dit, C'est tiens, parti. tu veux pas, je te tape dessus. C'est pas super gentil, quoi, l'un dans l'autre. Non, il m'attaque 4 bonhommes avec 2 archers, donc je suis pas sûr de ce qu'il fait. Attends, ouvrir, 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 ouvrir. Voilà, quand ça sera mon tour de faire rentrer les troupes, tu vas voir, je vais le faire rentrer. Allez, ici, on va pouvoir, ça y est, attacher ce truc-là. Hop, c'est dommage, on vient de prendre une Hey, pop, j'avais mais tant enlevé la pis. bataille automatique. Tiens, regarde. Voilà, parfait. On perd de la nourriture un peu en masse, par Et contre. j'ai Ça, complètement c'est pas oublié cool. de jouer mon tour. Tu fais que de la merde. Et après, j'ai refait de la merde. Bon, bah, de toute façon, je vais devoir passer les derrière parce que j'ai plus de tech à rechercher. Donc, j'aurai pas le... C'est pas possible, là. Ouais, 1800, c'est pas possible. Faudra jamais attendre le 1800. Ça, c'est mort. Ça serait peut-être jouable, mais... Je suis pas bien sûr de l'intérêt. Ici, ouais, j'aimerais bien pouvoir l'assimiler avant quand même. Ce serait quand même pas mal de pouvoir l'assimiler pendant que je suis en truc d'assimilation là. Bon, il m'attaque. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il t'attaque brutal ou il t'attaque lol? Bah, il m'a attaqué avec tout ce qu'il avait, hein. Ça fait mal. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais faut pas crier comme ça. Le seul jeu de la ville. Vous avez entendu dire que le festival annuel de Memphis comporte désormais une course à pied au menu des festivités. Choix, épreuve de l'esprit. Soif de savoir pour 4 villes plus 6 de science pendant 15 tours. Rapidité Ouf. pour 7 unités pendant 15 tours plus 1 de vitesse. Ou, au choix, férocité pour 7 unités plus 7 forces de combat sur toutes mes unités. Cette force de combat, putain, mais tu doubles la force, c'est abusé quoi. Bon bah, du coup. C'est la guerre. Voilà, je suis à 27 avec mes guerriers maintenant. C'est parti. Wow. La violence quoi. Ah, il fait demi-tour, il retourne dans son territoire. Ah bah non. Pourquoi faire franchement? Il va attendre patiemment 15 tours, j'ai l'impression. Oh bah tu vas pas attendre toi. Si, parce qu'entre-temps, je vais pouvoir les upgrader dans 5 tours. Ah t'as pas encore les unités plus plus. Non. Ok. Bon, on va mettre un mec à faire de la bouffe. Putain, la nourriture c'est un vrai problème hein. On va peut-être aller chercher ce plus 11 de bouffe là. Allez, ça dans un tour c'est terminé. Et ici. Ici ils nous aiment bien, mais ça coûte quand même 159 à faire. Alors, Voilà toi, qui est dommage. tu vas te balader un peu. Tu vas retourner par là. Pas de soucis. Ah, puis c'est vrai, toi aussi t'as plein de mouvements. Bah vas-y, passe ton tour. Hop là. Debate and discussion are Alors, not the ici. pastimes of the idle, but the act. Bon, ben, on va rechercher ça. Du coup, on va mettre un peu plus de monde là. Voilà. Diminuer un petit peu la science. Et là, toi, t'es parti. Non, putain. Ouais, non, mais ils sont pas cons. Ils sont barrés depuis longtemps le temps que t'arrives. C'est parti. Okay. 90 d'influence. Bah aucune construction en cours. C'est pas grave, je m'en fous. Pourquoi il s'en va quand je l'attaque? Bah C'est de la mesquinerie. parce qu'il pense perdre lamentablement.
Mais peut-être que c'est une grosse bouse. Ouh, je me régale, je me régale. Oh, intéressant. Je vais proposer un apaisement contre lui. Construction qui dure. Mais c'est quoi cette histoire? Tu m'as arnaqué, l'avant-poste il a disparu quoi. De quoi? Quand j'ai pillé la ville. Oui. Je suis déception, je pensais que ça la Attends là. descendait au niveau d'avant-poste. Ah ça l'a dé. Bah oui, bah faut refaire du coup. Ouais, bah ce sera pas tout de suite. Bon, l'avantage c'est que personne risque de me piquer ce truc-là. Je savais pas. T'as testé avant moi, faut dire. Je croyais que t'avais testé. Bah. Oui! J'ai testé sur un avant-poste et ça les détruit. Bah sur une ville, ça l'a détruit aussi. En plus, ça m'a donné 9. Bon après, de toute façon, je l'aurais pas gardé, mais c'était quand même pas dingue, quoi. Bah en tout cas, tu peux reprendre après le territoire tout de suite si tu veux. Ah bah au prix de l'influence, quoi. Ouais, ça va, l'influence, on en fait 109 par tour. Bah pas tout le monde. C'est ce que tu dis. C'est sûr que tu caches ton influence, petit coquin. Surtout que, bah mine de rien, j'en ai besoin pour ça. L'avantage, c'est que le Babylonien est à la masse. Quelqu'un a découvert la grande barrière de corail. Ok. Les Hittites ont pardonné un motif de discorde. Très bien. C'est gentil, ça. On est en train de perdre de la religion, par contre, là, ça m'amuse pas trop. On n'a pas vraiment de moyen d'augmenter la foi pour l'instant, cela dit. Oh là là, sérieux, 154 et il faut 159. C'est abusé. Toi, viens ici. Et rejoins. Et ici, c'est un petit peu buggé là, l'affichage là. Faut dire ce qui est. Où est-ce qu'il est parti l'autre là? Peut être parti bien loin. Par ici. Voilà, stop, stop. Aïe! Attaque pas! Me fait agresser! J'ai cru qu'il allait attaquer mon allié parce que j'ai cliqué sur une zone de brouillard quoi. Oh, qu'il est intelligent! Il m'a attaqué. Il était en surplomb dans une rivière et il m'a attaqué en bas. Eh ben, ça lui a fait très mal. Ouais, la rivière compense pas tout, hein. Surtout avec le 7 de force. C'est surtout les 7 en fait qui. Alors, on est à 54 contre 45 ici, très bien. Et ça, c'est quoi comme zone? Fangao, c'est à nous, hein. Là, ça Et se comme on est dans mon territoire, convertit. je risque fort de payer pour enlever les dégâts. Pourquoi j'ai attaqué avec des guerriers alors que j'avais des archers? Ah oui, parce que Non. j'ai enlevé les gens qui étaient ici pour les amener là, et du coup, ici on a un petit peu perdu. Voilà. On va pouvoir reprendre là où on en était. Bien. Et ici, pareil. On va y aller ensemble pour plus de renforts. Où est-ce qu'on en est? Toi, t'as sûrement fini. Du coup, je vais passer mon tour. Ah bah, je peux même pas. Patriotisme. Intéressant. Férocité, plus un de combat pendant 5 tours sur tout le monde. Allez, Mais va. c'est la teuf Est-ce que là ou ça c'est moi? a enlevé le plus 7? Non. On se disait, comme c'est la même chose, avec un peu de chance, ça va me l'enlever et je vais pleurnicher, mais non. Ça me paraît un peu trop la teuf ton histoire là. C'est cheaté. Il y en a visiblement que tu as déjà passé ton tour, c'est ça? Ouais, normalement il n'y a plus que toi là. Alors le noir, ça a marché l'apaisement ou pas? Zut.
J'ai eu une osmose scientifique, du coup j'ai débloqué la dernière tech de l'air. Mince. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Alors si je gagne ma guerre contre le noir, il faudra qu'il me paye 4000. 4000. C'est le prix. Et il peut se permettre de payer ça? Tout le monde peut payer ce qu'on te réclame. Tu peux toujours payer, j'en ai fait l'expérience dans la partie d'avant si tu te souviens. Oui, c'est vrai, tu te retrouves à moins, en... je sais pas combien. Tu te retrouves en dette de fou, mais tu payes quoi. Je lui repropose un apaisement. Oh putain, il est parti par là. Mais il refuse. Con. Il nous faut des quartiers supplémentaires. Ça, c'est de la merde. Ça vaut pas le coup. Bah, est-ce que tu sais si la science on la stocke? Oui. Ah. Je sais qu'on la stocke. Et tu peux t'en rendre compte toi-même. Laisse-la. Regarde combien de tours il te faut pour une grosse technologie. Une technologie, par exemple, à 11 tours. Ne la fais pas, n'active rien et viens tout à l'heure regarder au prochain tour. Tu verras, ça te marquera 10 tours, puis le tour d'après 9 tours, puis le tour d'après 8 tours, etc. Bah ouais, et parce premier que... Pour l'instant, surtout, je ne peux rien... je ne peux pas faire de recherche. Très bien, je vais devoir un petit bonus, plus 15 de bouffe pendant 15 tours sur ma capitale. On joue pas... en fait, toi et moi, on joue pas dans le même niveau de difficulté. Moi j'ai un bonus aléatoire par tour, mais c'est pas pertinent. Hein. Bah écoute, moi j'ai pas de bonus aléatoire, mais d'un autre côté, c'est plutôt calme de par chez moi, donc bon. Pour l'instant, c'est pas non plus dramatique quoi. Bon, armée non. Professionnelle. Oh putain, il est trop loin. Eh ben on va devenir professionnel. Ah je peux pas me transformer en phalanx tout de suite, d'accord. Si se pose là. Des phalanx... Mais je pas me transformer en phalanx. S'il se pose ici, je le défonce. Est-ce que je peux avancer un peu avec toi là? Non mais putain, juste toi. Voilà. Toi il te reste deux de mouvement, on est d'accord. Tu me les défonces. Je viens de sauter d'une falaise, ça pique. Putain, il s'est replié. J'adore. Je peux mettre mes troupes au choix en bas d'une falaise ou en haut d'une falaise. Alors je te laisse deviner parce que j'ai deux archers et deux soldats. Bah plutôt en haut de la falaise, non? Les soldats en bas de la falaise et les archers en haut. Ouais, j'avoue que ça me paraît plutôt pertinent. Hein. Le mec, il veut même pas confirmer les Celtes. Ah putain, il a débloqué toutes ses étoiles. Bon, tant pis, on y va. Il a débloqué bon, ses trois étoiles d'un coup. Alors, moi, je suis bloqué dans le combat. Comment ça, t'es bloqué dans le combat? Bah en fait, il veut pas venir. Il est pas c'est si pas con. Ça, c'est le combat est bloqué. Hmm. Quoi? Le combat est bloqué. Ouais, j'ai deux combats bloqués. Tous mes combats sont bloqués. Ok. Je suis en attente de confirmation, en fait, dans tous les cas. Et ben, on va devoir... C'est un bug connu. Il faut quitter le jeu et revenir. D'accord. Donc, je vais faire une save. Parce qu'apparemment, faire une save ne pose pas de problème. Bah, écoute, de toute façon, ouais. Il fallait qu'on arrête l'épisode. Donc, on va l'arrêter là, je propose, hein. Ah oui, en plus on a dépassé, bah c'est parfait alors du coup. Et bah ouais, on s'arrête là, et puis bah du coup on se retrouve très vite pour régler ce bug. Ciao ciao. En plein milieu de deux batailles, à plus tout le monde.